Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une séance que vous attendez, je me doute, avec une impatience inouïe. C'est une séance consacrée à la grammaire et plus particulièrement à l'interrogation. On reviendra sur la question plus tard, mais l'interrogation fait partie des sujets sur lesquels on vous interrogera de façon privilégiée pendant l'oral du bac. Les deux autres points sur lesquels on vous interrogera de façon privilégiée, c'est la négation et ce sont les subordonnées circonstancielles. On reviendra dessus. Donc l'interrogation aujourd'hui. Vous avez de quoi écrire, cahier, votre classeur, vos crayons. Et on va commencer par une activité. Je vais vous donner un certain nombre d'interrogatives et je vais vous demander de les classer en deux groupes et de justifier votre réponse. Et je vais vous demander de mettre dans les commentaires du blog, non pas le classement avec chaque phrase recopiée, ce serait un peu long, mais simplement les deux groupes que vous avez identifiés. C'est-à-dire, j'ai regroupé une partie pour telle raison et l'autre partie pour telle raison. Voici les phrases en question. Je m'arrête là. Et je vous laisse donner votre réponse dans les commentaires. La correction ainsi que le cours seront publiés aux alentours de 9h15. À tout à l'heure.